Commençons maintenant l'insertion des différents éléments dans notre carte de visite. Alors, je vais commencer par l'insertion du logo que qu'on vient de créer, de rendre transparent. Alors, c'est déjà ouvert ici. Je peux glisser directement le calque du logo vers le document carte de visite. Vous remarquez que c'est plus grand, donc je vais faire un Command T pour le redimensionner. Je peux glisser sur le coin supérieur de droite pour le redimensionner. Je clique au milieu, je le positionne à droite. Voilà, de cette manière. Une fois que le redimensionnement est fait, je clique sur cette icône pour valider. Alors, pour ce qui est conception, vous êtes libre d'avoir votre propre conception. Mais pour moi, l'idée qui me vient à la tête, c'est de mettre le logo à droite et les coordonnées à gauche et de créer des formes personnalisées pour ajouter une touche artistique à la carte. Alors, je sélectionne l'outil de sélection à nouveau. Je le positionne de cette manière. Je vais garder ici au-dessous le nom de l'entreprise. Je peux insérer le logo d'une autre manière en cliquant sur Fichier, Importer, Incorporer et de chercher le logo qu'on vient d'enregistrer sur le disque dur. Pour ce qui est design, je vais créer des formes personnalisées avec l'outil Plume. Donc, je clique ici avec le bouton droit et je vais choisir l'outil Plume. Alors, sachez que sous Photoshop, une fois un outil est sélectionné dans la palette d'outils à gauche, il y a des options qui se mettent à jour dans cette barre de la partie supérieure. Parmi donc les options de l'outil plume, on cherche si on veut créer une forme ou bien un tracé. Donc pour notre cas, on veut créer une forme. On peut à l'avance définir le fond de cette forme. Alors je vais utiliser via l'outil pipette en cliquant ici cette couleur un peu sombre pour écrire avec du blanc après. OK. Le contour, je veux aucun contour, donc c'est désactivé. Voilà, je peux désactiver le contour. Et puis maintenant, c'est le moment de créer la forme. Alors, je crée un premier point, un deuxième point. Vous remarquez que je clique à l'extérieur de la zone de forme perdue, le quatrième point. Et pour fermer ma forme, une fois que c'est positionné, il y a un petit cercle qui s'affiche en bas de la plume. Et maintenant, je vais convertir cette ligne droite en courbe en utilisant l'outil de conversion de points. Alors, lorsque je clique sur un point donné, je peux glisser l'un ou l'autre des deux points qui apparaissent. Alors là, vous remarquez, je peux laisser celui-là droit de cette manière et jouer sur le deuxième de cette manière. Voilà. Pareil pour le deuxième point. Je clique et je vais créer une courbe de cette manière. Voilà, vous pouvez ajuster à votre guise ce que vous voulez. Voilà. C'est trop. Comme ça. Et gardez à l'esprit que tout ce qui est en gris ici, on en a déjà parlé, c'est le fond perdu. Et que la prochaine carte, ça commence à partir des premiers repères. Et que les deuxièmes repères, c'est pour les marges, c'est pour la zone sécurité. Vous pouvez bien sûr à tout moment modifier votre forme, soit en choisissant l'outil d'ajout de points, d'ancrage, comme un Z pour annuler, ou bien de supprimer les points d'ancrage, cliquez sur un point pour le supprimer, Command Z pour annuler. Vous pouvez aussi déplacer un point déjà créé. Donc, pour ce faire, je vous invite à sélectionner l'outil plume. Une fois la forme bien sûr est sélectionnée dans les calques, je vous invite à choisir à ce niveau-là, non pas la sélection de tracé, mais la sélection directe. Voilà, donc vous cliquez sur un point donné. Tout en restant appuyé avec le bouton gauche de la souris, vous appuyez sur la touche Command du clavier et à partir de là, vous pouvez déplacer votre point à un endroit autre que l'ancien. Voilà, donc je peux le déplacer ici et je peux modifier la courbe de cette manière.
Je clique sur un point donné. Tout en appuyant sur la touche Command, je glisse pour déplacer le point. Voilà, je pense maintenant que c'est bon. Et pour déplacer tout le tracé, je reviens en sélection rapide, je clique et je glisse mon tracé de cette manière. Je peux aussi utiliser Command T pour tout redimensionner. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, vous appuyez sur cette icône pour appliquer la transformation. Je vais créer de la même manière la deuxième forme personnalisée via l'outil plume et je vais essayer de m'inspirer du logo et de reproduire cet effet. Alors je vais sélectionner l'outil plume et là il faut faire attention si la forme 1 est déjà sélectionnée. Au moment que vous souhaitez créer sur le bord un point, vous aurez un plus pour l'ajouter à la forme déjà sélectionnée. Donc je vous invite à sélectionner l'arrière-plan. Je clique pour créer mon premier point. Par exemple, à ce niveau-là, je clique pour créer le deuxième, le troisième et je ferme ma forme. Pour la couleur de remplissage, je clique ici, j'utilise l'outil pipette pour choisir ce bleu clair et de cliquer sur OK. Maintenant, pour ce qui est conversion de points, je clique sur ce point et je glisse. Alors, je ne vais pas toucher à ce point et je joue sur celui-là. OK. Alors vous êtes libre de créer la forme qui vous convient. Ok, et là vous remarquez que la forme 2 est au-dessous de la forme 1, ce qui est bien sûr souhaitable. Donc si elle est positionnée au-dessus, vous aurez cet effet, mais il est beaucoup mieux de garder la forme 2 au-dessous de la forme 1. Je crée une dernière forme, de la même manière toujours, je sélectionne le calque arrière-plan, l'outil plume, je crée mon premier point, deuxième point, troisième point, et je ferme la forme. Je choisis une autre couleur de remplissage, ce vert, je peux zoomer pour une meilleure visibilité de la couleur. Alors dans ce cas, je sélectionne ma forme 3 et je vais choisir l'outil de sélection du tracé pour changer la couleur et choisir ce vert, je pense que c'est beaucoup mieux. OK. Z et Alt appuyé pour dézoomer. L'outil de sélection, je clique sur sélection du tracé. Une fois que c'est sélectionné, je clique sur conversion de points et je vais jouer sur ce point là de cette manière. La flèche gauche pour le glisser. Voilà, maintenant que vous savez comment manipuler les formes personnalisées, je vous invite à créer les vôtres.